À peine. Oh, allez, direction la bonne Il y mètre. a Barry White qui arrive. Si, j'ai chopé Sertux, vas-y. Alors, à la banque, il y a un Little. Un civil rebel. Ouais, le véhicule il roule bien quoi, lui, avec son Strider. Toi, le véhicule à gauche, c'est un Hunter, non? Où? Moi, je le vois pas, moi. À gauche, il y a un Hunter de flic. Derrière nous maintenant. À la gauche. Maintenant à droite. Ouais, je le vois. Et juste dans le champ. Ah non, c'est un buisson. Non, c'est pas un buisson, arrête-toi. Attends, je sors de ma voiture. À mon avis, on regarde pas au même endroit. Ouais, je pense pas. Attends, regarde où je vais à pied. Y'a pas un Hunter là? Non. Est-ce que le lieutenant en bas de présent? Comment je le vois? Non, il y a devant toi? Ouais, juste devant moi là, je suis en train de faire. Ah non, regarde. Je que la banque me tire dessus, donc. Regarde. Ouais, pas de négociation. What the fuck? Oh, fais gaffe, fais gaffe! T'es en train de faire voler le Hunter! Quoi? L'armée de terre, je vais faire une armée de terre maintenant. J'ai pas compris, Christian. Tu te fous de ma gueule là, Chris. Eh ben, moi je vais faire armée d'air. Vas-y, monte. Non, non, y'a rien, tu verras sur la vidéo, y'a rien. Personne ne pourra prendre des véhicules, des hélicos et tout ça. Salut, Christian. Salut. Victor, est-ce que tu peux venir je parle. Mélissa, tu peux pas faire de personnage. Y'a le forum, les gars, pour ça, s'il vous plaît. Pourquoi? À chaque fois que je veux envoyer mon staff héritage, ça me dit vous ne pouvez pas envoyer des avec messages. Leur friki, le friki. Ah ouais. Mais moi, le pire des rebelles, ils me disent qu'ils se font friki. Ah, ouais. Il y a le forum, mais moi je peux rien faire, moi, arrêtez. Bon. Pourtant, on peut normalement. Bah ouais, maintenant on peut pas. Non, non, tu vas pas me dire qu'il y a personne, il y a deux HMTT et tout qui sont partis. Hein. Attends, on va les faire venir. Comme quelqu'un de normal, 70 km/h, puis j'ai tourné pour me garer. Vas-y, arrête-le lui, arrête-le. Il court. Non, putain, je vais casser la voiture. Il est dans le bâtiment. Qui se trouve à la frontière. Par contre, l'armée va s'en occuper pour la banque. Il s'enfuit. Je le vois plus. Les Smith, il s'est enfui. Vas-y, si tu veux. Il est parti jeune, c'est où, mais il s'est enfui. Merci. Ah, je le vois plus. Monte. Ça, c'est quelqu'un qui a des causes. Oh. Il est où, son camion? Il est à gauche là, à gauche du labo de maître. Il l'a bien garé dans les buissons. Eh ben je vais me faire défoncer. Bon Mamadou, tu montes ou je me casse, j'ai pas toute la journée là. Et j'espère que tu vas choper beaucoup et qu'il a pas déjà tout transformé. Ah si, je sais pas, je vais me promener. Hein. Attends, je regarde en bas à gauche. Vas-y, cherche trunk. C'est à Rudd et Freddy. Oh! Ce véhicule est vide. Quoi? Non, t'as gagné 199 000. Ah, oh, j'ai même pas vu. Ouais, c'est normal, ça fait bizarre. On est hors de Kavala, donc y'a pas de free kill, tu peux allumer tout le monde. Il va retourner à pied. Y'a un hélico qui arrive. Oh merde, attends, vite. Monte. Il y en a un deuxième qui arrive derrière en plus. Et ne t'enfuis pas, tu restes. J'espère pas qu'ils vont garder dans la voiture, mais tu restes et tu les attends qu'ils transforment. Oh, je devrais plus dire que ça va rien que je vienne. Je crois qu'il y a un deuxième qui arrive aussi. Oh, il y a un deuxième qui arrive. Regarde bien quand on va mourir. Non. Si tu vois un flic, tu l'allumes. Je te dis, tu peux l'allumer tant qu'on n'est pas dans une ville. Tu fais rien. Autorisé. Tu fais rien, please. Ah, il y en a qui allait au traitement d'héroïne. Il faisait de l'héro, mais lui, il fait de la mettre. Obligatoirement, c'est juste une nous. Je crois qu'ils ont vu ton pseudo en fait, donc ils osent pas venir. Puisque c'est toi le conducteur. Allez, descends, je suis gentil. Bon, je veux pas dire, mais j'ai eu un petit problème avec le Strider, il est raid de... Il est raid. Ah, il ose pas descendre. Mais nous, de toute manière, on est à la liberté de le chercher. C'est Scarface. Un flic dans cette voiture-là, quand même. Attends, je vais screener ça tout de suite. Je mets le... Pour des repair kits. Le Strider à la fourrière, alors. Il y en a plus, Mike. Oui, vas-y. Pour les enlever. Bah, je vais en acheter. Mais comment tu veux que je screen ça? T'entends le moteur de ton SUV? Ouais. Hop. Attends, on va faire genre de partir. Ah là, j'ai deux repair kits. Attends, arrête de bouger, j'aimerais prendre en photo un flic dans une voiture Hello Kitty. Ah, il descend. Ah ouais, je vois ça. Ah là, c'est bon, j'ai pris. Ah,
Je remets ça dans quelques screens Timbercar. Faudrait que tu l'épingles là par ça ce sujet, hein, quelques screens Timbercar. C'était là où tout le monde met ses images. Ouais. On va mourir, je te le dis. Tu vas mourir, oui, j'ai rien contre moi. Contre moi c'est du free kill, mais contre toi, ils ont pas. Tu veux rire. Attends. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a pas d'arme. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, je suis là. Oh putain non, le con! Non, non. Chris. Non. Ouais, mais dans celui-là, il y a jamais personne. Mais c'est n'importe quoi, le gars il a sorti son arme en étant couché. Chris, j'aimerais bien te réanimer. Non mais j'utilise pas. Tu vas mourir. J'ai pas je reste que dans le jeu. Eh, hey, dans la voiture, il est complet s'il y a un flic encore dans la voiture. Ta gueule. Je peux pas faire. T'as pas de sac. Non mais en plus, je peux même pas prendre ta trousse. Traîne-moi, je sais pas, mène-moi près de lui. Oh l'enfoiré, il vole mes vêtements. Allez. On va voir ce qu'il y a. Eh, c'est un flic aussi. Ouais, t'en fais pas, en général, je coupe à travers champ. Arrêtez-vous. Sortez les mains dans le dos! On sera obligé d'ouvrir le feu! Il y a un autre requin qui s'est posé. Moi je vous dis, les gars, aller en voiture Hello Kitty au champ de maître, c'est pas crédible. Je me suis fait défoncer. Je roule! Arrête-le, c'est un flic aussi! comprends? Victor? Non, t'as pas le droit de faire ça! J'ai pas suivi. Non. J'ai mal! Bon, soigne-moi et je m'en vais, j'ai rien vu. Alors, nous on est à côté, donc là on peut intervenir. Attention derrière toi. Dès qu'il me ranime, je vois un message ouais, aux flics. Enfin, si ce sont des flics. Aïe. Je saigne. Bonjour. Tu peux mettre ton doigt dans ma plaie, s'il te plaît. Je l'ai acheté quand il était à 1 500 000, j'en avais acheté 4, maintenant ils sont à 600 000. Oui, j'ai le GS, j'avais un esprit, j'aurais pu passer une heure. GS, aidez-moi. Ah bon, il a foiré, il décolle. Pardon? Bon, je me cache. Non, j'ai fait honnêtement, non, j'ai fait les voyages de maître, etc. Aidez-moi. Ah, merci. Mais bon, forcément... Non, mais forcément. Attends, le coupable, c'est. Serveur, etc. Bah, y avait moins de joueurs, moins de policiers. C'est pas Fab, les gars. C'est pas Fab, c'est Scarface qui m'a tiré dessus. Fab ne m'a rien fait. C'est pas lui, il a rien fait, lui. Ouais, maintenant, ouais. Ta gueule, qu'est-ce qu'il y a, toi? Hey, il fouille dans mon sac, là, vas-y. Non, il fouille dans le mien, t'inquiète. Oui. Oui. Je peux vous parler en privé, là, 30 secondes, tu vois? Une petite seconde, Fab n'a rien fait, lui. C'est Scarface qui m'a troué. Ouais, mais venez, Victor. Ok. Il remarque même pas, j'ai une tenue de flic. Je peux savoir ce que vous faites dans une zone illégale avec des rebelles. En fait, je me promenais avec la voiture Hello Kitty de Sertou parce que j'ai crevé un pneu avec la mienne, donc il m'a proposé de. Comment de me dépanner et c'est lui qui m'a amené ici. Le gros mytho. Et pourquoi tu mens? Ouais, je sais. Pourquoi tu mens? Fab il a une amende sur lui. Regardez, tout le monde, ils sont tous des amendes sur eux normalement. Donc en fait, Sertou a voulu me dépanner, il m'a verrouillé dans son véhicule et il m'a amené ici. J'allais pas sauter en plein. Arrête de mentir. Mais je pense qu'il savait pas par où il allait. Non, je pense qu'il savait pas par où il allait parce qu'il m'a dit qu'il venait pas d'ici. T'as de la chance, je suis gentil. Ouais, vous venez pas d'ici. Messieurs, vous êtes... Il y a une prime. Non, ça se voit à son visage, sa couleur de peau. Qui, moi? Ouais, je viens du Congo. Je viens du Congo. D'accord. Alors, regardez mon hélico, là, derrière, tout là-bas. Et au Congo, ouais. On a un avis de recherche sur vous. Vous avez le véhicule quand un policier est avec vous, c'est... Nelly, c'est l'anti-carjacking. Anti-carjacking. Mais il est pas super résistant, lui. Donc Victor, il m'a vite raconté des craques, soit celui qui m'a raconté. Ben non. Non du tout, je pense pas que ce soit une prise en otage.
Il m'a bien dépanné. Il m'a pointé. Bientôt. Quelque part, mais j'ai réussi à l'arrêter. Je voulais l'emmener au commissariat, mais on m'a tiré dessus. Monsieur Brian, je suis donc venu ici. S'il vous plaît, monsieur Brian. On me met en sécurité, mais je savais absolument qu'il y avait des rebelles. D'accord, donc là, on est censé vous croire, en fait. Donc là, on est censé vous croire. Je ne mens pas. Dans ma tribu du Congo, on montait jamais, monsieur. Les gars, vous êtes sérieux, là? D'accord, ouais. Sauf que votre tribu du Congo est bien différente de l'île d'Altis, monsieur. Monsieur, c'est un cripou, je vous dis. C'est un vieux cripou, il m'a boité avec son arme. Oh putain, foiré. C'est ce que je suis en train de me dire, monsieur. Eh, hey, mais j'ai rien fait, moi. Il y a un policier qui se fait prendre en otage ou... Ah non, non. Vous m'enleverez pas l'idée que d'être dans une zone illégale avec des rebelles en tant que policier. Microsound. Putain, je te hais. Victor, mettez les mains dans le dos, s'il vous plaît. À un moment donné, j'ai cru que c'était toi qui étais avec Adrien, mais non. Il m'a terrorisé. Mais quoi? Il a relâché. Ah, j'aurais dû me douter avec moi. J'aurais dû me douter avec ta couleur de peau. Ouais, ouais. C'est pas possible. Mike, c'est un peu trop sur moi. Pas de mal. J'imagine bien un autre jeu. Je suis noir, j'étais là. Monsieur du GIZ. Bon, monsieur, je sais pas qui dit vrai, mais ce que je viens de sûr, c'est que Victor, bon, t'es ripou quoi. Du moment que vous touchez à la drogue, vous êtes fiché. Pourquoi je serais ripou si j'ai rien fait? Du moment qu'on touche quoi? Oui, Zeta, tu m'as séquestré. Comment tu touches à la drogue? Tu m'as volé mes habits. C'est toi qui conduisais, comment j'aurais pu te séquestrer? En plus, lieutenant, monsieur le lieutenant, regardez. Lieutenant, regardez à qui appartient la voiture Hello Kitty. Regardez à qui elle appartient, vous verrez bien. Je suis bien d'accord que la voiture appartient à Oui, mais là, j'ai entendu. Je vous explique, monsieur, je vous ai déjà dit. Je me baladais dans la tirage. Oui, oui, parce que, en fait, donc, comme je vous expliquais, j'ai crevé un pneu avec mon véhicule, on s'est croisé, et il m'a dépanné, puis il m'a enfermé dans sa voiture. Il ment. Monsieur Ryan, je vous explique. Je venais de jeter mon véhicule, tu vois, j'ai dit, ouais. Vos histoires. Monsieur Ryan, s'il vous plaît. Monsieur Ryan, écoutez-moi. Je venais de tendre mon véhicule. Oula, il y a un pick-up armé rebelle qui vient de courir là-bas, là. Il roule. Un pick-up qui court. Un policier qui se prend en otage par deux rebelles avec des affiches. Donc, j'en étais où? Voilà, j'étais tranquille dans la tiroir. Je me disais dans une maison, il m'a posé avec quelqu'un. Il m'a dit, sors une voiture et emmène-moi quelque part. Et moi, je voulais pas. Et donc, oh, le menteur! T'es un mytho. Non, mais franchement, qui croire? Quelqu'un tout noir ou quelqu'un tout blanc comme moi? C'est raciste, ça. En plus, regardez un peu, pourquoi il a une tenue de policier? Ouais, c'est complètement raciste, Victor. C'est complètement pourquoi il a une tenue de policier? J'ai une tenue de policier car il m'a enlevé mes habits, il m'a mis de soleil, il m'a porté alors je n'aime pas ses habits. Mais il m'a porté mes habits. Bon, oh, l'enfoiré. Vos histoires sont complètement folles, monsieur. Victor, tout ce que je sais, c'est que vous devez être ripou. T'as besoin de l'armée de terre, en tout cas, on l'a bonne mettre. Je suis innocent, moi, il m'a séquestré, je vous dis. Non, c'est bon, il faut juste être dégommé. Mais non, ça, moi je voulais juste aller voir ma tante. Il m'a été gâté. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous, monsieur Sertus. Calmez-vous, l'armée de terre, rendez-vous à la. Bon, Victor, j'étais à l'œil parce que ces histoires complètement corne-cul, ça marche pas avec moi. Non, mais plus jamais je demanderai de l'aide à un noir, de toute façon, c'est pas possible ça. Non, j'ai dit pas de racisme. Victor, Mais je suis pas. Non, c'était une blague, je suis pas raciste. Bah, j'espère que c'était une blague, monsieur, parce que c'est une blague. Non, mon père adoptif, donc celui qui m'a adopté, il est noir aussi. Je suis désolé, je rigole, pourquoi c'est nerveux, monsieur. Pourquoi? Ouais, c'est nerveux. Bah, bien sûr. Vous me faites peur avec votre arme. Bien sûr. Je suis nerveux. Ah, je vous fais peur. Parce que vous en avez pas peut-être d'arme. Mais si, mais là, je peux pas l'utiliser. Il a voulu me la mettre dans le. Vous savez quoi? Oui, j'ai bien compris, monsieur. Bon, Victor, je t'ai à l'œil. Surtout, si vous essayez de prendre en otage la police, c'est complètement inutile. Je vous relâche parce qu'on n'a rien contre vous. Dis-toi bien que si je te revois encore avec un rebelle, je vais te... Pas mal, c'est terminé. Monsieur, j'ai une famille, pourquoi je voudrais prendre en otage la police? Tu peux enlever les mains de ton dos. Tu peux enlever les mains de ton dos. Par contre, Victor, je vais te demander de venir tout de suite avec moi parce qu'on reçoit des tirs là-bas. Et donc, comme t'es policier, t'es censé aider. Ça va, me voilà, je vous suis. Avec moi, t'es un fou.